Depuis que le monde existe, on a toujours parlé des sirènes. En Afrique, on les appelle Mami Wata, dont la reine des eaux, la mère des eaux. Il y a des mythes, il y a des histoires réelles et surtout des histoires vécues. Mami Wata est-elle réelle? Ce sont des esprits réels ou pas? Parce qu'on les connaît aussi sous le nom des ondines, les esprits de l'eau. Mami Wata existe véritablement, oui ou non? Partout dans le monde, il y a eu beaucoup de mythes et d'histoires entourant l'existence des êtres aquatiques, qui sont populairement appelés sirènes. En Afrique, ils sont appelés Mami Wata, mère de l'eau. La question est de savoir s'ils existent vraiment, ou c'est juste une simple histoire utilisée par nos ancêtres pour des contes au clair de lune. Par coïncidence, partout dans le monde, la même description vaut pour ces créatures. Elles attestent toutes de la beauté magnifique et enchanteresse qu'elles portent ainsi que des longs cheveux sur leur tête. Sans oublier les voix sensationnelles qu'elles utilisent pour chanter. Vous êtes d'accord avec moi que dans toutes les villes côtières, tous les pays, toutes les villes, tous les villages ayant accès à la mer, à l'océan, au cours d'eau, on a toujours parlé des sirènes. Même il y a, là où il y a des chutes d'eau, comme dans plusieurs villages africains, partout où il y a des chutes d'eau, on a toujours parlé des sirènes, l'existence des sirènes. Tout au long de l'histoire, divers explorateurs ont rapporté des observations de sirènes, dont la plus célèbre était Christophe Colomb, le grand explorateur. Colomb a affirmé avoir pairé des sirènes près d'Haïti en 1493, ce qu'il a selon le Musée américain d'histoire naturelle. Dans les traditions européennes, les premiers mythes sur les sirènes ont peut-être pris naissance vers 1000. Il n'y a aucun village, aucune ville ayant accès à la mer, ayant accès à l'océan, ayant accès à des cours d'eau, où il y a des chutes d'eau, où on n'a pas parlé de Mami Wata. Mami Wata est un sujet qui passionne beaucoup de gens. Il y a eu toujours beaucoup d'histoires saupoudrées, à l'eau de rose, des histoires qui rendent tristes, des histoires qui rendent gaies, des histoires qui font peur, des histoires qui passionnent, des histoires qui font rêver concernant Mami Wata. Des histoires ayant des fins heureuses ou bien des fins tristes, toujours au sujet de Mami Wata. Certaines histoires racontent l'histoire d'une déesse syrienne qui a sauté dans un lac pour se transformer en poisson, mais sa grande beauté ne pouvait pas être changée et seule sa moitié inférieure transformée. Dans les histoires populaires nigérianes, Mami Wata peut séduire un dévot masculin préféré et ensuite se montrer à lui en suivant le coït. Elle exige alors sa fidélité sexuelle complète et le secret à ce sujet. L'acceptation signifie la richesse et la fortune. Le rejet signifie la ruine de sa famille, de ses finances et de son travail. En fait, les mères stériles font souvent appel à l'esprit pour guérir leur affliction. De nombreuses traditions soutiennent que Mami Wata elle-même est stérile, donc si elle donne un enfant à une femme, cette femme devient intrinsèquement plus éloignée de la vraie nature de l'esprit. La femme sera donc moins susceptible de devenir riche ou attirante grâce à sa dévotion à Mami Wata. Les images de femmes avec enfants décorent souvent des sanctuaires à l'esprit. Comme c'est vrai, et s'ils sont réels, pourquoi ne sont-ils pas souvent vus à la mer? Pourquoi ne les voit-on pas souvent? Mais Mami Wata ne va pas se présenter à n'importe qui. Parce que si c'était qu'on va les rencontrer à tout bout de champ, c'est que 5 milliers d'émigrés qui prennent la mer et qui veulent aller en Europe, dans leur navire, leur chaloupe, leur embarcation en chavire en plein océan, auraient raconté beaucoup d'histoires sur l'apparition de Mami Wata en pleine mer, en plein océan. Mais Mami Wata ne se présente pas à n'importe qui. Il choisit son moment pour se présenter. J'ai déjà entendu des histoires de pêcheurs qui racontent comment, en faisant de la pêche nocturne, ils voient des êtres qui nagent, qui entrent sous l'eau et qui ressortent. Des filles belles avec des longues chevelures qui tournent autour de leur embarcation et qui disparaissent. Qui font souvent des chants, bien qu'ils lancent des cris et qui disparaissent. Parfois même dans l'intention de les séduire ou bien de détourner leur attention sur leur travail. Donc, elle ne se présente pas à n'importe qui. Parce que Mami Wata ou la sirène n'est pas un sujet banal. Ce n'est pas un sujet banal. Si c'était qu'on peut les rencontrer n'importe quand, n'importe comment, dans des océans, dans des cours d'eau, c'est que c'est chacun qui aurait vu la sirène. C'est qu'on aurait même organisé des expéditions pour aller en pleine mer, pour faire la rencontre avec Mami Wata. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis elle n'aime pas ça, elle n'aime pas être exposée. Elle ne se présente pas à n'importe qui. Elle existe, mais elle ne se présente pas à n'importe qui. Elle choisit son moment. Elle peut apparaître à un endroit donné pendant un certain temps et puis elle disparaît. Vous cherchez, vous venez, vous ne la voyez pas.
en se posant pas n'importe comment et à n'importe qui. Si cette histoire sur Mami Wata vous a intéressé, si vous l'avez trouvée passionnante et que vous êtes témoin d'une histoire sur Mami Wata, ou bien vous avez vécu une histoire intéressante sur la Reine des Eaux et que vous voulez la partager avec les autres internautes, n'hésitez pas à me l'envoyer en faisant un enregistrement vocal, entendu ou bien vécu. Envoyez-la moi en faisant un enregistrement audio que vous pouvez envoyer par WhatsApp ou bien par Telegram au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci. C'est une compétition qui est lancée. Toute bonne histoire retenue et racontée recevra un très bon cadeau de la part du grand maître Sango Montana. Et n'hésitez pas à aller sur mes pages YouTube et Tipeee.com pour me soutenir. De bonnes choses se trouvent sur ces pages. Merci.